Non, mais en fait, c'est pour vous dire que c'est à vous que je parle. Vous avez pas crié des filles à droite. Attends, on va essayer. On va se faire un morceau. Le morceau, c'est tu. Je vous parle pas à vous déjà, je vous le dis. C'est pas ça à eux que j'explique, d'accord? C'est le morceau, ça fait tu vas prendre cher. Oui, bah va falloir. Non, va falloir faire mieux que ça. Parce que là, ils nous attendent au tournant, les petits marsupiaux, là, voilà. Voilà, je vous surveille, je vous surveille. À droite, tu vas prendre cher. J'en rigole d'avance. Viens, 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 viens. Écoute à gauche. Hé, hey, à gauche. Tu vas prendre ça. Ça ressemble à une humiliation, le côté droit. On est d'accord ou pas? Je vous donne une deuxième chance. J'ai très très peur. Tu vas prendre ça. Ah ah, c'est moi le malin. Non, non, arrête de tout. À gauche. Tu vas prendre. Nous allons demander à notre arbitre. Oh! Oh, c'est beau! Oh mon Dieu! On croit à Jésus! Oh, fais ça, fais ça! Oh putain! David Teta! Excuse-moi. Donc, on était à côté gauche et droite et gauche. Alors, le gauche, c'est le côté de toi qui avait l'air un tout petit peu pourri comme ça. Et le côté droite, c'est le côté qui a l'air vachement fort, je crois. Mais après, je veux pas influencer sur ton jugement, bien sûr. Hein, je... David Guetta a dit c'est le côté gauche. De toute façon, hein? Mais ça fait 20 ans qu'il mixe en boîte, il a plus d'oreilles depuis longtemps, sinon il aurait su que c'était côté droite. Mais on va être beau joueur, on va dire que ça fait 1-0 pour les mauvais là-bas. Et on va se le faire en musique, balance. Y'a un bruit, je pense.